bonsoir, bonjour. Là où vous nous regardez, où vous nous retrouvez, c'est votre émission Être une voix pour les sans-voix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler des sujets d'actualité à la lumière de la parole, pour comment faire pour être concrètement une voix pour les sans-voix en action à la lumière de la parole. Est-ce biblique de soutenir les démunis? Est-ce biblique de porter la voix pour ceux qui ne peuvent pas parler? Est-ce biblique? Et tout cela, nous allons nous retrouver dans quelques instants à la lumière de la parole dans votre émission Être une voix pour les sans-voix. A tout de suite. Bonsoir frères et sœurs, et oui, comme je disais tantôt, vous êtes à votre émission Être une voix pour les sans-voix. Nous revoilà, nouvelle année, beaucoup de bonnes choses en tout cas, et par la grâce du Seigneur, nous allons encore nous revoir cette année 2018 pour parler un peu ensemble, dialoguer ensemble, partager ensemble, pousser des fois des cris ensemble par rapport à tous les flots qui touchent le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a tellement de choses qui se passent, des fois on se pose la question, où allons-nous concrètement dans ce monde? Où allons-nous? Et nous avons cette grâce, en tout cas en tant que chrétiens, le Seigneur nous a laissé 3 horloges en tout cas pour savoir un peu dans quel temps nous sommes. Et aujourd'hui, nous allons voulu partager ensemble une pensée du Seigneur. Je ne serai pas très long et par rapport à cette pensée, on essaiera un peu de décortiquer ensemble. On va prendre sans plus tarder, on va prendre la parole dans Luc 16 à partir du verset 1. Un parabole qu'on connaît un peu. Sur le parabole de l'économe injuste, la Bible nous dit que cet économe injuste, c'est le parabole, c'est le Seigneur qui parle. Le Seigneur disait à ses disciples, il y avait un homme riche qui avait un économe, qui fut accusé devant lui comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu n'auras plus le pouvoir d'administrer mes biens. Alors l'économe lui dit en lui-même, « Que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration? Travailler à la terre? Je ne le puis. Mendier? J'en ai honte. Je sais ce que je ferai. Afin que les gens me reçoivent dans leur maison quand mon administration me sera ôtée. » Alors il appela chacun des débiteurs de son maître et lui dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il dit, « 100 mesures d'huile. » Et il écrit 50. Puis il dit à un autre, et toi, combien dois-tu? Il dit 100 mesures de froment. Et lui dit, prends ton billet, écris 80. Et le maître loua l'économe injuste de ce qu'il avait agi prudemment. Ainsi, les enfants de cet âge sont plus prudents que leur génération, que les enfants de la lumière. Et moi aussi, je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes, afin que vous viendrez à manquer, ils vous recevront dans le tabernacle éternel. Quand je lis ce passage, c'est vrai que la première fois que je lisais ce passage, j'étais un peu estomaqué sur la façon où le Seigneur pouvait louer l'économe injuste. Quand je ne comprenais pas tellement le parabole en lui. Vous savez, des fois le Seigneur parle en parabole parce qu'au devant de lui, il y avait des personnes qui était là simplement pour vouloir prendre et aller colporter et déformer ce message. Il parlait en parabole, c'est qu'il y avait la maturité, c'est qu'il était connecté à lui, ou ses enfants, il allait dans les coulisses pour leur rentrer en profondeur. Et dans cette parabole, le Seigneur voulait simplement faire comprendre que les enfants de ce siècle, ceux qui sont en gros l'économe infidèle, ils savaient qu'il leur restait peu de temps. Et dans ce peu de temps-là, il a essayé de s'organiser pour assurer ses arrières. Pour essayer, même s'il avait perdu son travail, comment il allait faire pour après s'amasser de l'argent. Et bizarrement, il va dire que le Seigneur le loue parce qu'il a agi en homme prudent. Frères et sœurs, nous sommes chrétiens, c'est vrai qu'aujourd'hui nous devons agir en tant que prudents. Pourquoi? Parce que nous savons que notre maître revient. Nous savons que Jésus revient. Nous savons que bientôt il viendra prendre une église sans tache ni ride. Nous savons que nous devons marcher dans la sanctification, nous savons que nous devons marcher dans la crainte de Dieu. C'est vrai. On nous l'a enseigné, par la grâce du Seigneur, nous essayons d'avancer dans cet élan. Mais ce qui me choque dans tout ça, c'est de dire que, est-ce pour autant que nous devons simplement être comme si nous préparer et rester
enfermé comme dans un monastère et à attendre que le Seigneur revienne. Ou de se dire que nous sommes réveillés et oui, nous crions dans nos assemblées, nous crions, le Seigneur revient, nous crions, le Seigneur, nous voulons te voir revenir, nous voulons te voir agir, nous crions, nous jeûnons, nous faisons même des temps de retraite. Et, laissez-moi vous dire, je pense qu'on est en début d'année, seul Dieu sait combien de retraites et de veillées qu'il y a eu dans les églises aujourd'hui. Et pour soi-disant prier pour la bénédiction de 2018, 2018 sera la plus grande année, 2018 Dieu va nous bénir, 2018 tu seras la tête et non la queue. C'est vrai, mais être la tête pourquoi concrètement? Avoir la connaissance pourquoi concrètement? Être dans un pays libre pourquoi concrètement? Pendant ce temps-là, il y en a qui vivent des atrocités. Pendant ce même temps-là, il y en a qui vivent les... Des violences inouïes. Il manque même deux mots. Et de cela, je voulais un peu prendre un exemple. C'est vrai que nous travaillons sur la solidarité internationale, ici et là-bas. Ici, voilà, là aujourd'hui, nous sommes dans le locaux de la Voix des Sans-Voix, qui, par la grâce du Seigneur, reçoivent les sans-abri. Il y a l'hébergement, il y a des opérations grand froid où il y a des sans-abri qui dorment ici, par la grâce du Seigneur. Il y a la restauration pour les sans-abri, par la grâce du Seigneur. Il y a le suivi administratif et juridique des sans-abri pour les aider à la réinsertion, par la grâce du Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je voulais plus parler de notre solidarité à l'extérieur. À l'extérieur, comme on peut travailler, ça peut être à la prison de la Maca en Côte d'Ivoire ou peut-être par rapport au Congo. Mais tiens, parlons de la RDC, un sujet qui brûle en ce temps. Je pense que vous n'êtes pas sans le savoir que le 31, il y a eu une marche pacifique du comité qui voulait simplement dire non à l'injustice qui sévissait dans ce pays. Ils se sont rendus compte qu'à un moment ou l'autre, il fallait parler pour ceux qui parler pour les pauvres, parler pour les minorités, parler pour les personnes qui détiennent soi-disant des biens et qui ne veulent pas que la population, bien sûr, qui ne voit pas l'intérêt général. Et ce qui me pousse aujourd'hui, en tout cas, à faire cette émission, vous savez, je manque même les mots dans le sens où je veux dire, mais Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible que soi-disant nous qui devons nous préparer, nous que tu as donné des biens, nous que tu as donné la parole, nous que tu as donné la paix du cœur, nous que tu as donné, que tu nous as ta première mission quand tu es venu, Seigneur. Si on peut prendre ce passage, je pense dans Luc 4. Luc 4, le Seigneur, la première fois qu'il va rentrer dans les temples pour parler de dire quelle était sa mission sur la terre des hommes. Sa mission, ce n'était pas de faire des méga tchotches. Sa mission, ce n'était pas d'avoir la plus grande assemblée de Jérusalem. Sa mission n'était pas d'être le meilleur. Sa mission, c'était quoi la mission du Seigneur, frères et sœurs? Et pourquoi? Parce qu'on parle de se préparer. On parle de mettre les choses en place parce que bien sûr le maître revient. Mais s'il revient, qu'auras-tu fait concrètement? Avec les dons qu'il te donne, avec les talents qu'il te donne, face à l'injustice, est-ce qu'on doit se taire? Par rapport à ce qui se passe à la RDC, aujourd'hui on parle de la RDC, demain on parlera d'un autre sujet, mais aujourd'hui on veut parler de sujets d'actualité. Et par travaillant dans ce pays, et étant aussi originaire de ce pays, on ne peut pas rester insensible. Parce que celui qui dit mot conçoit, c'est-à-dire que, si on ne dit rien, c'est comme si on est tout à fait d'accord avec ce qui se passe. Mais personnellement, je ne suis pas d'accord. Et c'est pour cela que je viens me présenter au devant de vous. Me dire non, je ne peux plus se taire. Et je parle d'abord aux chrétiens. Parce que le monde, les gens du monde, les politiciens, tout ce que vous voulez, ils seront jugés par rapport... La Bible le dit dans Romains 2, chacun sera jugé par rapport à ce qu'il fait. Mais moi, je viens avec les enfants de la lumière. Parce que la Bible dit, les enfants de ce monde sont plus avisés que les enfants de la lumière. Les enfants qui ont soi-disant Dieu. Les enfants qui ont soi-disant la paix. Les enfants qui ont soi-disant le Christ. Que veut dire être chrétien? La première fois que... On a parlé de la Bible des chrétiens, c'est parce qu'ils ils avaient le comportement de Christ. Quel est le Christ compris, s'il vous plaît? Oh là là, quel est ce Seigneur qu'on présente aux nations?
Quelle était la mission de cette personne que nous, qu'aujourd'hui nous suivons? Quelle était sa mission, frères et sœurs? Parlons peu, parlons bien. Quelle était sa mission, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il voulait? Pourquoi il est venu dans sur cette terre des hommes, lui qui était là-haut, concrètement? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Qu'est-ce qu'il a voulu nous enseigner? Parce qu'il aurait pu le rester là-haut, mais il est venu sur la terre des hommes pour nous montrer le chemin à suivre. Quel était ce chemin? Mon Dieu, quel était ce chemin? Le chemin où on se comporte comme des... On se ment à nous-mêmes, en fait. Parce que quand une fois tu entends des choses et quand tu vois, c'est diamétralement opposé de l'évangile. Il n'y a pas longtemps, j'interceptais encore un frère. J'ai dit, mais vraiment, le Seigneur Jésus est mort pour toi pour ouvrir la porte de la voiture de ton pasteur. Je ne sais pas. Je ne sais pas, frère. Mais je bénis Dieu parce qu'il y a toujours un reste. Je bénis Dieu parce que je sais que Dieu s'est toujours mis à part. Comme autant d'âgés, peut-être à un moment ou l'autre, on s'est endormi parce que les aléas de la vie font que... Mais à un moment ou l'autre, nous devons revenir à nous-mêmes. Revenir à notre propre la mission du Seigneur. Avant de prendre Luc 4, en cours de Luc 4, 16, j'ai un passage qui me vient. D'abord, on va partager dans Luc toujours. Dans Luc. Oui, merci Seigneur. Dans Luc 2, verset 41. Qu'est-ce que la Bible dit? Un moment, je vais essayer d'aller plus vite. On prendrait le temps de lire Luc 2, verset 41 à 52. Frères et sœurs, qu'est-ce que la Bible dit? Un moment ou l'autre, le Seigneur va naître à Bethléem. Le frère était sur lui. Et quand il va naître à Bethléem, un moment ou l'autre, comme toute année, ses parents se rendraient à Jérusalem pour au temple, tout ça, comme chaque année. Et en arrivant au temple, la Bible me dit que, dans verset 41, ses parents s'en allaient tous les ans à Jérusalem à la fête de la Pâque. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ses parents montèrent à Jérusalem selon la coutume de la fête. Puis, je vais m'arrêter là un peu. Aujourd'hui, les gens vont dans les églises, vont se rassembler le dimanche, qui n'est pas le jour du Seigneur, loin de là. Mais simplement parce que on a plus de temps, les gens ne travaillent pas le dimanche, ils se retrouvent dans un soi-disant bâtiment qu'on peut appeler église. Mais à un moment ou l'autre, on oublie qu'ils vont par coutume, par habitude, on va pour y aller. On oublie l'objectif pour qu'on y va. Frère, si tu vas pour y aller, vaut mieux rester chez toi. Tu vois, pour apaiser ta conscience, vaut mieux rester chez toi. Personne ne t'y oblige. Et à un moment ou l'autre, comme aussi les parents de Jésus allaient pour y aller, et à un moment ou l'autre, le Seigneur, la Bible dit, à l'âge de 12 ans, il va aller dans le temple, il va réfuter les contradicteurs. À un moment ou l'autre, il va se perdre. La Bible dit, il me dit que, puis quand les jours furent écoulés, ils se retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, et Joseph et sa mère ne s'en aperçurent pas. Mais croyant qu'il était avec les compagnons de voyage, ils marchèrent une journée, puis recherchaient parmi leurs parents et parmi leurs connaissances. Et ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Puis arrivé que le troisième jour, après, le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs. Les écoutant, les interrogeant, tous ceux qui les attendaient s'étonnaient de la sagesse de ses réponses. Et quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu fait ainsi ?» Et quelle est la réponse du Seigneur? Le Seigneur va dire, il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? À un moment ou l'autre, il ne voulait plus être dans la religion. À un moment ou l'autre, le Seigneur, à l'âge de 12 ans, il a compris, ok, c'est l'âge un peu de la... Je commence à avoir un peu, comment on appelle ça, de la conscience. L'âge, le 12, un peu, c'est les chiffres de fondement. Il commençait maintenant à dire, ah, là, c'est le temps de poser un peu le fondement. Pourquoi on est là? Il ne venait pas pour voir la bonté du temple.
À un moment, il s'est souvenu, il devait faire un travail. Il ne devait plus rester inapte, il ne devait plus rester silencieux. Frères et sœurs, il devait parler. Réfuter les contradicteurs. Fermer la bouche des soi-disant docteurs. Il devait parler. T'as quel âge aujourd'hui dans le Seigneur? Il avait 12 ans. À 12 ans, il refutait les contradicteurs. Toi, je ne sais pas combien d'années tu as. Je parle pas aux nouveaux convertis. Je parle de ceux qui connaissent le Seigneur. Je parle même aux jeunes. On va dire, non, l'histoire de Jésus, c'est l'histoire de vieux camarades. Qui t'a dit qu'avec Jésus, il faut le servir quand tu auras 50 ans? Qui t'a dit? Ton maître, celui que tu suis dans la Bible, à l'âge de 12 ans, il prêchait. Et quand on reprend notre passage de base dans Luc 16, c'est que les enfants de ce siècle sont plus avisés que les enfants de la lumière. Les enfants de ce siècle vont marcher. Ceux qu'on appelle soi-disant, ben oui, les païens, tout ce que vous voulez. Mais bizarrement, ils font plus d'action que les enfants de la lumière. Reste à réfléchir. Et mais je me dis, mais c'est pas possible! Tu regardes ça, tu ne dors plus, tu dis, mais c'est... Oh, je rêve ou quoi? Frères et sœurs. Alors que votre maître que vous suivez à l'âge de 12 ans, il fermait la bouche des contradicteurs, il allait, il parlait. On dit, oui, maintenant, oui, mais Loufiane, il parlait des choses de la Bible. Oui, il parlait des choses de la Bible. Effectivement, il parlait des choses de la Bible. Quelle était la mission de notre Seigneur? Et là, on va le voir. Et la Bible dit qu'il croissait en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Aujourd'hui, non, les gens, ils sont dans leur péché. Ils ne veulent pas vivre Dieu. Ils préfèrent venir pour pointer les meufs dans les assemblées, soi-disant. Ils préfèrent venir pour montrer, m'as-tu vu? Ils préfèrent venir dans leur costard. Que Dieu nous aide. Je manque les mots. Mais à cause des frères, je vais parler au nom de Jésus. Je manque de mots par rapport à leur péché. Mais je dis, Seigneur, c'est pas possible. À un moment là, je me dis, Seigneur, je ne vais plus parler parce que j'en peux plus. Tout ce qu'on voit, on dit, mais c'est pas possible. Je dis, non. Il y a quand même un reste qui s'est endormi. Et c'est pour eux qu'on va parler, frère. C'est pour vous qu'on vient. Réveille-toi, s'il te plaît. Ton maître n'était pas endormi. Vous qui êtes au Congo, vous qui êtes même de, peut-être de la diaspora ici en France. Arrêtons de dormir, frères et sœurs. Je parle aux jeunes chrétiens d'abord. Chrétiens. Ça danse des coupés décalés à l'église. Ça se bavonne. Ça vit leur vie. Ça fait des coupes. Tu dis, mais Seigneur, mais c'est... Même un païen, quand il les voit, il est choqué. Quelqu'un qui, soi-disant, qui ne connaît pas Dieu. Plus de modèle de Christ, c'est-à-dire, non, mais il faut vivre selon... Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes, s'il vous plaît. L'heure est grave. Si le maître revient, qu'auras-tu fait concrètement? Déjà, les jeunes de la diaspora, vous qui êtes en France, là, t'as l'opportunité d'aller à l'école. Toi, ton imagination est de devenir comme ton pasteur. Comme s'il n'y a pas assez de pasteurs déjà dans les églises aujourd'hui. Hein? Veux pas étudier. Veux suivre les ambiances. Oh, je dis Dieu merci qu'il n'y a plus de concerts. Au moins, il y a beaucoup qui se sont un peu recadrés. Parce qu'à un moment, quand je voyais l'avenir de nos frères et sœurs aujourd'hui, je me disais, mais c'est pas possible. Sa vie concert. Et en plus, c'est des gens qui ont grandi ici, qui sont nés ici, mais qui quittent. Qu'ils font croire qu'ils vivent comme s'ils étaient au Congo, même au Congo ils sont perdus. Et quand on tue leur mère, quand on tue leur frère, quand on tue. Ils sont là normal. Et ils te disent. Ils sont habillés que. Je sais pas. Frères et sœurs, sommes-nous chrétiens ou pas? Concrètement. Si tu vives dans le monde, tu as le droit. Va. La Bible me dit, ceux qui sont saints se sanctifient encore. Ceux qui veulent se pavaner, pavane-toi. Mais quand Madame la mort viendra, on ne verra pas un snap. Et à un moment, tu rendras du compte à ton maître. Tu es en France, c'est une grâce. C'est une grâce. Peut-être pas en France, dans des pays
de nord, c'est une grâce. Mais qu'est-ce que tu fais? Regardez qu'est-ce que le Seigneur va dire. Dans Luc 4, comme on le disait, après les tentations, après le jeûne, il va être revêtu, la Bible dit, et il va venir pour sa première prédication. Sa première prédication. Ce n'était pas de dépouiller les gens. Moi, je dis, nos pères, la foi, nous ont... pas nos pères, c'est-à-dire que nos soi-disant pasteurs des églises réveillés, hein, on se comprend. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Oh, que j'ai mal quand je vois des gens comme des Sonny Kafuta, qui étaient soi-disant des piliers du réveil au Congo aujourd'hui. Tu les vois, c'est comme ça devient comme des zombies. Ça fait mal. On est jeunes, qui on va prendre comme exemple? Pas un pour attraper l'autre. Quand on parle du même d'une marche pacifique, pour dire non, pour dire un moment ou l'autre, c'est un droit. Dieu, la Bible dit effectivement, c'est Dieu qui établit les autorités. Mais ces autorités aussi, ils ont des droits et des devoirs. Et quand ils ne marchent pas selon leurs devoirs, ben, un moment ou l'autre, on peut se désobéir. Pas désobéir de manière violente, mais désobéir d'une manière pacifique. Si on veut voir l'histoire de l'église, il y a eu des personnes qui l'ont fait. Pourquoi? Parce qu'ils se sont basés sur une prédication. Et c'est cette prédication-là qu'on va voir. La Bible me dit quoi? Dans Luc 4, verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Déjà, voilà, merci Seigneur. Il s'est rendu où il a été élevé. Nous aussi, ben, je suis venu en France à l'âge de 9 ans. À un moment ou l'autre, on doit se rendre où on a été élevé pour dire les choses. Et il va dire quoi? Il entra dans la synagogue le jour de sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Un lui donna le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, trouva le passage où il était écrit. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour évangéliser les riches. Hein? Non. Il dit pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Combien de cœurs brisés dans ce pays, le Congo? 12 millions de morts. 12 millions de morts. J'ai encore des amis qui sont là-bas qui me disent, Loufiane, chaque jour, des gens qui meurent. Bientôt, ce coin va être balkanisé. Bien sûr, vous allez nous dire, ce terre n'est pas pour nous. Nous sommes... vous allez nous dire quoi? Oui, nous allons tous mourir. Bien sûr, nous allons tous mourir. Mais si tu meurs pas, on fait comment? Il n'y a pas longtemps, je suis parti voir... encore avant-hier, je parlais avec... Avant qu'on nous coupe encore les internets, là-bas, je parlais pour la fin d'année là, avec mon grand-père qui a 90 ans. Mais tu dis, mais... Oui, mais qu'est-ce que... C'est-à-dire qu'on peut vivre jusqu'à 100... La Bible même nous dit 120 ans. Mais il y en a qui ont le cœur brisé. Il y en a qui ne vont pas à l'école. Il n'y a pas d'institution. Le social, n'en parlons pas. Pas un pour attraper l'autre. Alors, politique même, c'est même pas la peine. Alors, si on parle de ce qui nous concerne, parlons entre nous, l'église. Des gens qui ont fait des clubs de foot pour endormir les gens, c'est pas un péché de faire du foot. Mais un foot qui élève Jésus. Pas un foot qui élève les... Comment on appelle ça? Qui distrait les gens. J'ai des amis qui font du foot. On n'est pas contre le foot, loin de là. Mais un pasteur qui fait du foot, là, non. Soit tu es manager, soit tu es entrepreneur. Mais faut pas tout mélanger. Et comme par hasard, c'est toujours eux qui sont à la tête. Jamais un démon. Mais quand tu fouilles la classe dirigeante de toutes ces choses-là, c'est leurs enfants. Et ils font rien dire. Et il n'y a personne qui parle. On fait comment? On fait comment, frères et sœurs? Et les gens qui ont le cœur brisé. C'est-à-dire qu'il y a tellement la pauvreté. Personne, chaque année, on y va. Chaque année, on est au Congo depuis 2002. Chaque année, on y est. Maintenant, voilà qui me dit, oui, mais tu parles de loin. Il faut parler de près. Camarade, qu'on soit de près ou de loin, quoi, tu veux quoi? Qu'on soit de près ou de loin, ça ne changera rien. Dans le sens où, tant que les consciences ne sont pas
remise comme le Seigneur dit, soyez renouvelés de l'intelligence. C'est pas normal. S'il n'y avait pas Western Union, il y en a qui auraient... Ça l'attendront grave les morts. Qu'est-ce qu'on fait, frères et sœurs? Jeunes de la diaspora, que faisons-nous concrètement? Je ne parle pas d'action violente, mais je parle simplement de dire non. Sachons dire non à un moment. Sachons dire trop, c'est trop. C'est nos parents qui meurent, c'est nos soeurs qui sont violées. Je vois une maman dans plein église, on le tire une balle et personne ne dit rien. Les 30 ans, j'étais mal à l'aise, je ne peux pas aller fêter, soi-disant, parce que non, on peut pas. Le cœur n'y est pas. À moins que, nous sommes de vrais sorciers nous-mêmes. Allez pas chercher des sorciers loin. C'est celui qui ne compatit pas pour l'autre, c'est lui. Parce que le Seigneur dit, sa première mission c'était de s'occuper des pauvres. Oh, quelles sont les structures qu'on met en place pour les pauvres? À l'époque en Israël, il y avait les lois sociales qui étaient l'organisation pour soutenir les pauvres. C'est quand on jette un sac de riz, c'est là qu'on dit qu'on soutient les pauvres. Il n'y a pas de micro-projet, concrètement, où on apprend les gens à pêcher, frères et sœurs. Il n'y a pas. Je parle des églises. Parce que quand le gouvernement ne fait pas, quand l'État ne fait pas, l'église doit le faire. Parce que toutes les structures sociales, même ici en France, ça soit la CAF, si on veut parler de la CAF, la sécurité sociale, leur fonctionnement, vous allez le voir, c'est le fonctionnement qu'avaient les enfants des juifs où beaucoup de gens économisaient ou même on parlait de je ne vais pas encore rentrer dans ces trucs, dans ce thème, sur la dîme des pauvres. Où on s'est désorganisé pour pas que les pauvres subissent chez nous. Et quand tu vois des églises à 10 000 personnes, quand tu vois des aéroports, tu vois leur train de vie, et ils viennent en France bavaner, nous montrer qu'ils ont l'argent. Et ils disent même pas un mot, conscientiser les frères et sœurs de leurs assemblées que le pays va mal. Qu'est-ce qu'on fait? De dire simplement, on ne veut plus ce fonctionnement-là. Faut que ça change. Et les secours ne viendront pas de qui que ce soit si ce n'est que des personnes qui se sentent concernées concrètement. Chacun à son niveau. Même avec ton WhatsApp, tu peux t'organiser. Te dire non. Et la mission du Seigneur, c'était quoi encore? Il dit, il m'a envoyé pour guérir, bien sûr, ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Il y a trop de captifs au Congo. Des familles, je me rappelle à chaque fois, je vais là, je pleure. On dit pourquoi, mais tu pleures. Tu pleures. Et Dieu seul sait les opportunités qu'on peut avoir dans ce pays. Même c'est parce qu'on ne veut pas se corrompre. Dieu seul sait. C'est parce qu'on veut dire non. On veut être juste. Parce que quand mon voisin a mal, je ne peux pas faire semblant. Je me rappelle beaucoup d'amis à moi avec qui ont été. Qui, parce qu'on travaillait ensemble, ils ont pris. Ils ont eu carrément. Comment on appelle ça? Travailler avec le. Je vais me tairai les noms de ces ministres à l'époque. Au ministère des Affaires Sociales. On va le dire, M. Nguele Ifoto, voilà, ils étaient même au ministère des Mines après. Tous ces gens-là. Mais aujourd'hui, ils sont où? Parce qu'après, parce qu'ils n'étaient pas eux-mêmes renouvelés dans leur tête, ils ont commencé à se corrompre derrière. Parce qu'ils n'étaient pas renouvelés, ils ont commencé à se... Tu les vois, ils traînent avec des soldats, des Kalachnikovs, ils sont contents. Oh, je suis quelqu'un parce que je viens de France, parce que... Non, frère! On parlera comme des personnes qui ont dit... Je préfère boire de l'eau avec mes frères que de boire de champagne avec les démons. Loufiane, viens, non! Ça ne m'intéresse pas. Je préfère manger mon petit pâte au beurre, mais je peux me regarder dans une glace. Je peux parler à mes enfants. Sachant dire non, frères et sœurs. C'est pas les moyens, c'est pas l'intelligence qui... C'est pas... C'est rien qui fait parce qu'on veut dire non. Trop, c'est trop.
qu'est-ce qu'on fait, frères et sœurs? Tant que les mentalités, ça ne tombe pas, même si les autres partent et vous, vous venez, on le voit ici, on le voit. Qu'il y a des opportunistes, on dit, mais c'est pas possible. Mais alors, nous, chrétiens, qui avons soi-disant la parole, qui connaissons soi-disant Jésus, parce que c'est pas mon Jésus que vous connaissez, en tout cas. Alors, on a plusieurs Jésus, mais c'est pas le mien. Celui de la Bible, là, c'est pas lui. Parce que celui de la Bible, il dit quoi? Il est venu apporter la délivrance aux captifs. Alors vous, dans vos assemblées, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Vos enfants sont déjà dans la publicité. C'est plus des enfants des pasteurs quand tu les vois, ils sont plus impudiques. Ça chante dans les assemblées. Et ça va nous faire croire qu'ils ont Dieu. Et qu'il y en a un qui va me dire, touchez pas le roi de Dieu. Où sont ces voix qui parlent? Des gens qui fermaient le ministère des personnes. Oh Seigneur, redonne-nous cette onction au nom de Jésus. On a trop parlé. Ça, je me suis dit en 2010, Seigneur, je ne veux plus. Parce qu'on a assez. C'est quel est l'évangile qu'on nous prêche? Il y en a qui meurent. Il y en a qu'on viole. Il y en a qu'on tue. On me dit qu'en Kassa, il y a 80 fosses communes. Il y a près de 30, même pas, il y a plus de 30 000 personnes qui sont mortes. C'était à Goma. On arrive à Kassai. Bandundu. Jusqu'où, frère? Et on pleure. Trop, c'est trop. À chacun de prendre sa responsabilité. Moi, Loufiane, en tant que chrétien, je dis non. Et on se battra avec la parole, pacifiquement. On ne fermera pas les yeux. Et on le dira haut et fort. Justice. Plus de justice sociale. Plus l'accès à l'éducation. On paye des profs. Changement de mentalité. Nous avons l'opportunité d'être ici. Allons à l'école. Instruisons-nous. Connaissons des choses. Et s'il faut repartir, donner un peu de connaissance à ceux qui sont dans le besoin, faisons-le. Mais nous ne pouvons pas rester en bas. Changeons nous-mêmes personnellement de mentalité. Changeons nous-mêmes personnellement de mentalité. Sans compromis. Sans... Je sais pas. Mais ça fait mal. Mal, mal. Tous ces enfants qui meurent. Ces femmes violées. Ces enfants qu'on... Je sais pas. Qu'on les vende. Sans parler de vente d'organes. Mais dans quel monde vivons-nous, frères et sœurs? Et ça parle de chez vous. Et on se dit congolais. Et encore, on se dit chrétien. Non. Moi, Loufiane, jeune congolais, chrétien, je dis non. Qu'on ne nous mélange pas avec toutes ces églises de réveil, soi-disant réveil. Avec tous ces pasteurs escrocs impudiques. Tous ces jeunes qui suivent bêtement. Je sais qu'il y a un reste. Il y a une génération qui se lève dans le secret. Il y a une génération qui se prépare dans le secret. Pour élever le nom de Jésus. Il y a une génération qui se prépare. Comme la Bible nous dit dans Actes. Quand l'apôtre Paul est parti voir ce gouverneur, Félix. La Bible est claire. Il a parlé de ce qui est justice. De ce qui est la maîtrise de soi. Et de ce qui est du jugement. Devant les autorités, on parlera de Jésus. Et au-delà de parler de lui, on essaiera, par la grâce du Seigneur, de démontrer que ce Jésus, ce n'est pas celui que les gens disent. Notre Jésus a soutenu les pauvres, a parlé pour les démunis, est parti libérer les captifs. C'est de ce Jésus-là que nous voulons parler.
C'est Jésus-là qui disait, allez dire à ce renard, il me reste encore peu de temps. Je dois faire ce que je dois faire. C'est Jésus à l'âge de 12 ans, il ne fermait pas sa bouche. Si tu ne fais pas, ce n'est pas grave. Chacun rendra compte. Chacun rendra compte. L'histoire ne s'écrit pas demain, s'écrit aujourd'hui. Que faisons-nous? On ne peut plus fermer les yeux. 12 millions de morts. Ça ne vous fait rien? Ça ne vous fait rien? On est en train d'exterminer. Et un jour, vous allez vous réveiller. Vous allez aller travailler. Dire que ramenez vos enfants vers vos origines. Il n'y aura plus de place. Avant l'heure, c'est l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Je vous en prie, jeunesse, levons-nous. Jeunesse chrétienne, levons-nous. Levons-nous. Il y a des gens comme les Rosa Parks. Elle a pu, pendant les droits civiques aux États-Unis, dire non. Elle a su dire non. Les Martin Luther King, ils ont su dire non. Je vous parle des chrétiens. Et qui ont dit non pacifiquement. Ils ont retenu les résultats. On peut dire non pacifiquement. Peu importe où tu es. Oui, on a assez prié. On a trop prié. Le Seigneur nous demande simplement de dire non. Lève ta voix. Ouvre la bouche pour ceux qui sont démunis. Ouvre la bouche pour ceux qui ne peuvent pas. Question de dignité. C'est question de parler comme notre Seigneur a parlé. Ça, c'est Jésus. Jésus n'a pas été corrompu. Et j'interpelle tous les jeunes chrétiens dans le monde, d'origine congolaise ou ceux qui sentent que ça, tout cela doit s'arrêter. 12 millions de morts, ça suffit. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Là encore, on va envoyer des missionnaires au niveau de Kassai pour aller soutenir les familles dans des micro-projets, dans des camps. On l'a fait, on le fera encore. Mais au-delà de ça, simplement notre voix, sachant dire non. On peut s'organiser par les réseaux sociaux. Au lieu de faire tes stars, tu peux envoyer un message. Simplement de dire non. Organisons-nous. Organisons-nous. C'est possible. Je le crois au nom de Jésus. Qu'on ne nous mette pas avec tous ces charlatans, qu'on ne nous mette pas dans le camp de tous ces faux, qu'on ne nous mette pas dans le camp de tous ces escrocs qui ne font que manger dans le noir. Je me dis, Seigneur, on retourne. Il y a eu un réveil dans les années 80 au Congo, où ces églises sont venues. Aujourd'hui, ils sont plus qu'endormis. Et c'est soi-disant ceux qu'on traite des religieux, c'est eux qui se lèvent. Je dis, c'est le monde à l'envers. Ben oui, quand il n'y a plus Dieu, Dieu suscite encore d'autres personnes. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Jeunes. Jeunes chrétiens. On peut dire non aux injustices dans le monde. C'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. De dire que organisons-nous. Il y en a, il savait que c'était bientôt la fin. Il s'est organisé. Nous savons que le maître va bientôt revenir. Qu'est-ce qu'on aura fait? Remplir cette mission de Luc 4, verset 16. De verset 16 à 26. Même jusqu'à 29. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Délivrer les captifs. Dans nos assemblées, il y a beaucoup de captifs. Jeunesse, s'il vous plaît. On aura un temps de décortiquer, si Dieu permet, tout ce qu'il y a dans notre... C'est Dieu qui donne un pays. C'est pas pour rien qu'il a voulu qu'on soit congolais. Ce n'est pas pour rien qu'il a voulu que tu sois congolais. Au-delà des frontières, nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice. Parce que c'est une histoire de vie. C'est une histoire humaine. 12 millions. Je ne comprends pas comment on peut. Il y en a qui veulent même revenir dans les anciens. On appelle ça des délires carrément. De sapologie, je dis, mais on vit où là? Même pas de quoi s'acheter. Même pas de quoi s'acheter à Yop, mais il veut montrer qu'il est quelqu'un. On est où là?
suis venu parler qu'au reste. Toi qui sais ce qu'il te reste à faire. On ne peut pas fermer les yeux. Comme notre Seigneur l'a dit, préparons-nous parce que le Maître revient. Quand il reviendra, la Bible me dit dans Matthieu 20, 25 qu'il a séparé les personnes. Matthieu 26, si je ne me trompe pas, on va le finir. Matthieu 26, qu'est-ce que le Seigneur va dire quand il va récompenser les personnes ? Au jugement dernier. Matthieu 26. Pardon, Matthieu 25, verset 31. Or, quand le Fils de l'homme viendra environné de sa gloire, accompagné de tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec le bouc. Il en mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ? T'avons-nous donné à manger ? Ou avoir soif ? Ou t'avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger ? Quand avons-nous recueilli ? Nu, ou t'avons-nous vêtu ? Ou quand avons-nous vu malade ? Ou en prison ? Sommes-nous allés vers toi ? » Le roi répondant leur dira, « Je vous dis en vérité, toutes les fois où vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. » Voilà. Frère, il y a une récompense. Cette récompense, elle ne sera pas terrestre. Elle sera au ciel. Bien sûr, tu as peut-être été déçu parce que tu as soutenu beaucoup des gens hier. Tu as été déçu parce que tu as voulu soutenir aussi les gens au Congo. Et selon toi, tu vas te dire, oui, ils ont mal agi, tout ça, tout ce que vous voulez. Mais tu ne le fais pas pour les gens. Tu le fais parce que c'est une recommandation du Maître. Et tellement que tu vas le faire, ça va prendre vie en toi. Tu ne chercheras pas une récompense. Parce que la Bible me dit que le Maître est venu donner la récompense à ces personnes. Ils ne se rendaient même pas compte. Fais ça avec un état d'esprit, ne pas chercher à avoir une récompense derrière. Parce que personne ne pourra te récompenser. Quand les Martin Luther King ont marché pour les droits civiques, ils ont marché parce qu'il y avait une femme, Rosa Parks, qui n'a pas voulu se lever. Et beaucoup de choses ont changé jusqu'au cours de l'histoire aujourd'hui. Tu peux changer ton histoire, sachant dire non. Sinon, il ne faudra pas pleurer. Que Dieu nous garde, frères et sœurs, la jeunesse en Christ, debout. C'est possible, au nom de Jésus. Une prochaine émission, être une voix pour les fonds voix. Au revoir.